1978, la France découvre la voix de Fabienne Thibault. À 26 ans, elle est Marie-Jeanne dans Starmania. Près de 40 ans plus tard, l'opéra rock ne l'a pas quittée. Starmania est complètement fondatrice de ma vie. C'est à partir de Starmania que le public m'a connue, m'a rencontrée, m'a suivie. Starmania est vraiment un patrimoine de notre culture populaire musicale. Beaucoup de tubes, beaucoup de thèmes aussi qui sont très extrêmement fondateurs de ce qu'on vit aujourd'hui, dans le beau comme dans le moins beau. Le 7 juin, elle sera accompagnée de 5 chanteurs. Ils mêleront titres incontournables de la comédie musicale et morceaux québécois. Une soirée organisée avec le Lions Club de Rambouillet. La vie de la cité a montré qu'il y avait ce problème de, pour les personnes isolées, pour les personnes dépendantes, de trouver un véhicule à disposition pour pouvoir circuler, pour aller faire ses courses, pour aller chez le médecin. Il fallait demander à la voisine et quand on a un problème de personnes isolées, c'est difficile. Le club espère récolter 8 500 € lors de cette soirée pour que ce titre de Luc Plamondon et Michel Berger ne soit plus d'actualité. On se rencontre.